Celui qui est à côté de moi là, on vient de le retrouver parce que moi j'avais bien vu qu'il était arrêté, torturé, menacé, qu'il avait même des bandages sur le bras qu'on a failli couper. J'aurais dit au général de se déshabiller pour voir son corps, mais je ne vais pas risquer. Parce que c'est important. C'est quelqu'un qu'on a dit qu'il était porté disparu, qui était arrêté, qui était torturé par le général. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Bon. Maintenant, si tu es revenu volontairement de ta torture, tant mieux. Mais il faut qu'on soit mesuré. Parce que si vous dites, M. Bayo, l'autre qui était arrêté, mais il a dit oui, j'étais arrêté. Mais au moment où il faisait cette déclaration, il était à Dakar. Certains d'entre vous le savent. Quand il disait qu'il était arrêté, après le lendemain, il dit, il était à Dakar. Et puis comment vous pouvez imaginer que les forces spéciales, entre guillemets, partent arrêter trois personnes, et puis il y en a un, il l'amène jusqu'à Kassa, lui il s'échappe. Peut-être qu'il marche sur l'eau. Hein. Il faut faire attention, parce que derrière ce type de désinformation, vous affaiblissez la vérité. Si ces personnes qui sont recherchées se trouvent effectivement en difficulté, vous affaiblissez, parce que si vous exagérez dans l'accusation, dans la calomnie, on ne saura plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. Il faut donc être très mesuré. Cet avocat a tout fait sauf défendre la vérité. Qu'il s'inquiète de ça, et c'est très important. Et c'est le même qui va s'asseoir à Dakar, qui va travailler avec Human Rights et qui va travailler avec Amnesty International, qui va faire les rapports, M. Vincent. Et je connais parfaitement comment il travaille et sur les factures de qui il le fait. Donc c'est très important. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le temps aussi. Et ces accusations sont extrêmement graves qui sont dites devant. Et j'espère que des juges de notre pays vont vérifier tout ça et voir quelles sont les démarches judiciaires à enclencher parce qu'il n'est pas hors la loi, parce qu'il est assis en France. Les gens peuvent être poursuivis partout, par l'État et les personnes qui sont visées par ça. Et c'est très important.